Bonsoir, donc, tout bon fidèle de Tough Time, ainsi qu'à vous, madame, monsieur, qui vous pas manqué, suivez-nous tous les vendredis soirs pour connaître qui peut passer un peu au champ de Mars et aussi qui peut arriver le samedi pour la journée en question. Eh bien, ce soir, nous vous cause sur la quatrième journée, et oui, quatre journées déjà pour la saison hippique 2017, et pour accompagner nous dans Tough Time ce soir, comme à l'accoutumée d'ailleurs, Thierry. Thierry, bonsoir. Bonsoir, Jack. Bonsoir, tout le monde, téléspectateurs. Alors, Thierry Nundiali, saison 2017, infinie, vieille de 4 journées déjà. Et sa semaine-là, ce samedi, nous voyons à 64 partants au départ, sauf un retrait inévitable donc, du contrôle, bien sûr, du Molichastov Club. Et Thierry, nous vous attendons quand même à une journée très intéressante, comme les précédentes. Oui, comme les précédentes. D'ailleurs, la semaine dernière, l'écurie Gilbert Rousset et son jockey, et il y a 4 les courses. Cette semaine, on pourrait éventuellement s'attendre à un réveil de l'écurie Gagédor, par exemple, qui sur papier paraît qu'il a beaucoup bonne chance dans presque toutes les autres les courses. Mais il n'est pas exclu que les autres coursiers, comme les coursiers de Vincent Allette, qui peut bien faire, capables de réussir Briggs sa première victoire de la saison. Justement, Thierry, et False Rails à 4,50 m. Oui, c'est une fée à prendre en considération, 4,50 m pour les False Rails. Donc, il y a quand même une distance additionnelle d'environ 22-23 mètres. Et c'est quelque chose, bien sûr, à prendre en considération. Et en ce qui concerne l'état de la piste L'état de la piste toujours normal à 2,8 unités. Donc, sauf de grosses pluies durant la nuit ou demain matin, vous pensez que la piste sera normale également. Normal également. Donc, nous vous attendons une très bonne performance demain après-midi à l'occasion de la quatrième journée, dont l'épreuve principale d'ailleurs, c'est la Rotary Foundation Centennial Cup, 1400 mètres, benchmark 56. Alors, nous avons 9 portants qui est aligné dans sa sixième épreuve là, Mountain Master, Rap Attack, Top Jet, Cherish the Charm, King's Knight, Fortissimo, Malakel Molouk, la nouvelle unité de l'écurie Gagédor, auteur de 2 victoires en 20 sorties en Afrique du Sud pour 7 placés, 2 victoires sur 1400 et 1450 mètres, Grazing Control, et puis nous avons Olympic Bolt, la nouvelle unité de l'écurie Alain Pedro. Et bien, ce coursier, il gagne 5 victoires en Afrique du Sud, dont 3 sur 1600 et 2 sur 1800 mètres. C'est un Hongre B de 5 ans d'origine, d'ailleurs, brésilienne. Voilà, oui. Pour Olympic Bolt. Peut-être nous Cousin Spilos a des nouveaux coursiers qui peuvent débuter là. Olympic Bolt, c'est un grand gabarit. C'est un coursier qui peut prendre le temps un petit peu pour revenir à sa meilleure forme, si nous pouvons dire. Vous pensez qu'il peut bien miser sur les courses là, mais il n'est pas exclu qu'il est dans un champ pareil. Parce que ce champ-là, il n'est pas vraiment relevé, comment nous dire. Et dans un champ pareil, vous pensez qu'il n'est pas plus loin à l'arrivée. Par contre, l'autre nouveau de l'écurie Gagédor. Là, Thierry, quand on regarde sa fiche, c'est lui a un peu l'habitude de démarrer un peu lentement. Oui, il y a un cheval un petit peu lent lors de départ. Et il peut faire mieux d'après moi, le plus long aussi. Plus long, voilà. Donc, un début sur 1400 mètres. Mais par contre, ça capable arrange les choses pour Malakel Molouk. Voilà, l'autre coursier, l'autre nouveau de cette course, c'est Malakel Molouk, le nouveau de l'écurie Gagédor. Au fait, c'est un coursier qui a beaucoup de préparation, beaucoup de temps pour acclimater aux conditions locales. Il est même prétendu pour la Duchesse. Et finalement, l'écurie Gagédor, il n'a tout le temps nécessaire pour adapter les plus aux conditions locales. Sivalen réalise un excellent galop à l'entraînement. Et je pense que là, nous trouvons ce Barrier Trial, que vraiment, il prend un départ canon, les devant dans sa Barrier Trial là. Et pleinement retenu par le jockey Arnold. C'est un Sival qui est capable de galoper devant, il est capable de suivre près. Oui, proche du pas, voilà. Légèrement en retrait. Et au niveau de la condition, il est très bien au niveau de la condition. La cinquième ligne, une bonne ligne
dans cette épreuve. 1400 mètres, un bon parcours pour une reprise. Vous pensez qu'il Malakel Moulouk capable de disputer la victoire dans sa course là. Et Thierry nous aussi fait rappel que ça c'est Valin Galoup en très bonne compagnie également. Quand nous guettons, il affronte ben coucher tel que Abachiri, Marina Resco. Abachiri, Marina Resco, Black Orchard notamment, qui est un excellent coursier en Afrique du Sud. Vous pensez que Malakel Moulouk, si l'égal pour ce forme sud-africaine, il n'y a pas photo, il devrait disputer la victoire. Et il termine plaisamment sur Barrier Trial. Oui, effectivement, ça c'est 1000 mètres, vous trouvez qu'il est très plaisant lors de sa Barrier Trial là. Purple Rock également dans sa Barrier Trial là. Oui, vous pensez Arnolin fait l'essentiel ici. Tout à fait, il était pleinement retenu durant le parcours, donc... pour moi, Malakel Moulouk est fin prêt pour effectuer de grands débuts. Voilà, on vient d'un grand début de la part de Malakel Moulouk. Et puis, parmi, bon, il y en a d'autres nouveaux qui ont déjà débuté. Il y a Mountain Master, malchanceux en pleine ligne droite dans la Duchesse côte ce jockey qui chutait. Il y en a Rapatak, en revanche, bonne fin de course, quatrième, légèrement perturbé d'ailleurs par cet incident-là et tout. Oui, effectivement. Donc, peut-être pour Mountain Master, sur la celle qui déplaçait en ligne droite, donc de le jockey, une chutée, le Mountain Master en pleine ligne droite. Vous pensez, nous faisons Reggetly, c'est un coursier qui gagne plus de longue distance. Donc, pour une deuxième sortie, 1400 mètres, peut-être un petit peu sharp pour sa coursier-là. Mais l'IPEX, je crois qu'il fait une bonne course. Peut-être son entraîneur a l'autre objectif pour lui. Un peu comme Rapatak. Rapatak, qui tu préfères un parcours plus allongé que le 1400 mètres. Mais lui, à sa décharge, selon l'entraîneur, il prend une mesure nécessaire pour qu'il les 1400 mètres un petit peu fit à Rapatak. D'où le pot de hier pour la première fois. Un équipement avec d'ailleurs lequel il très très bien travaille à l'entraînement. Pour moi, je pense qu'il Rapatak, s'il répète un petit peu sur les courses dans la Duchesse, il n'y a pas de doute et il fera l'arrivée de cette épreuve. Là, nous guette ce spot jeudi matin. Cheval là, il améliore ses conditions. Au niveau de la condition, il est très bien. Même si vous trouvez que Wiggins sollicite l'NCPI en ligne droite, mais vu que c'est un cheval de distance, ouais. C'est tout à fait logique qu'il soit un parcours de 200 mètres. Il prend temps pour lui trouver son momentum. Exactement. Ouais. Rapatak donc au galop ici. Vous pensez une course lancée sera en faveur de Rapatak. De Rapatak. Une course en rythme bien mené. Un rythme bien mené, pourquoi pas, par Thierry Jocham, qui a déjà fait aller dans le passé. D'ailleurs, comme vous guettez la cote de cette sixième course, ben, il est sans doute le seul front-runner de la course, peut-être 1400 mètres, un petit peu sharp, mais Moka, dire qu'au niveau de la condition, c'est peut-être après bien bien longtemps qu'il me retrouve Thierry Jocham aussi bien au niveau de la condition. Il est dans une très très belle forme en ce moment, Thierry Jocham. Le seul X, c'est ce 1400 mètres, mais pour moi, si c'était un 1500 mètres, là nous guettons jeudi matin, c'est voilà, livré même dans une forme resplendissante. Il est très appliqué au travail, la tête baissée. Pour moi, si c'était un 1500 mètres, Jug Motibudiaou, ce serait mon favori pour remporter cette épreuve. Voilà, même... Dommage que 1400 mètres pourrait être un petit peu sharp, mais néanmoins, en l'absence d'un véritable front-runner. Et bon, on a tout le loisir, donc dirige les opérations, contrôle la course, et probablement du début jusqu'à la fin. Vous pensez qu'il est pour arriver à l'air, s'il peut contrôler la course et il peut morcer devant pour arriver à l'air, ben les autres coursiers nécessairement pour vous être descendu dans la descente. Mais vous pensez qu'il le rythme pas assez correct dans sa course là. Et vous pensez d'ailleurs, Thierry, c'est bon, tout à l'heure tu soulignes le bon pas souvent imprimé par Malakel Moulouk également. Oui, effectivement, ah. Malakel Moulouk qui également est un coursier qui affectionne soit la course devant ou proche du pas. Donc voilà. Peut-être ben coursier pour bien adapter ce TNCP aux circonstances de course en début de parcours. Et Brandon Lerena a opté pour King's Knight. Oui, King's Knight est un coursier qui a bien travaillé à l'entraînement. D'ailleurs, il a démontré un gros progrès cette semaine. Ce 8e de la ligne, pour jouer contre lui certainement. Mais comme lui également, il peut soit partir devant ou courir proche du pas. Ce seront certainement les deux chevaux de l'écurie, Gilbert Roussette, qui seront aux avant-postes de cette épreuve. Voilà, contrôlé donc par le duo de l'écurie Roussette, dont Thierry Jocham. Et parmi les autres anciens, mon regard tape sur le gris de l'écurie Mingard, toujours à la recherche d'un premier succès ici, Thierry. Effectivement, 13 sorties, 8 placés, jamais à la première place.
Mais Top Jet, il est bien dans ce la peau en ce moment. Il effectue un très bon galop à l'entraînement. Là, nous avons un travail de mardi dernier, Colty pratiquement domine Memphis Mafia. Là, vous trouvez qu'il Memphis Mafia pour, à son extérieur là. Et Dinesh Souffol qui on board de Top Jet Objet. pleinement Ouais. retenu Memphis Mafia pour quelque peu solliciter, encourager quelque peu par Aïdjouawan. Trouvé qu'il Top Jet là, il est très très facile à l'intérieur de Memphis Mafia qui était un des favoris de la semaine dernière. Et Top Jet il fait bien oui, également sur la fraîcheur l'année dernière pour sa première sortie. Il est deuxième, quelque peu malchanceux derrière Lucky Valentine qui remportait la course avec 55 kilos alors que lui portait 61 kilos et demi. Il y avait également dans cette épreuve Charles Slyton, Donnie Brasco. Donc, vous pensez que c'est bonne course, bonne les autres catégories. Dans une course pareille, avec une bonne troisième ligne, vu qu'il fait bien sur la fraîcheur, pourquoi pas retrouver Top Jet sur la plus haute marche du podium cette fois? Voilà, pour une fois, donc, ce bon fan se croise les doigts et pour trouver Top Jack, qui est quand même venu avec une très bonne réputation. C'est un Effectivement. coursier qui est montré de classe, capable donc à faire lit demain. Thierry, donc, nous passons en revue donc, à ça, les courses principales là. Nous vous retrouvons à la fin de l'émission, bien sûr, pour un résumé des différents choix de la journée. Alors, reste avec nous. Madame, Monsieur, donc, pour prendre bonne note à la fin de l'émission, ben, différents choix de la journée. Nous passons au docteur Jocelyn Mingarcope, chez le Draper's Mile. Mais auparavant, Thierry, nous avons un petit bonus dans Tough Time ce soir. Nous avons un entretien donc, de Shirish Narang. De Blue Streak, bon, un cheval qui est un peu difficile à monter dans les courses. Il est lent au départ, il lâche son mot. Mais bon, si tu retires Chap-Trap dans la course, je crois que c'est une course très ouverte. Comme la dernière semaine, j'avais dit que Dark Force n'est pas dans la course, c'était une course très ouverte. Donc, bon, Blue Streak, il va faire une très bonne course avec Robert. Je crois que c'est un. Si Roman Sylvanus a pu faire trois longueurs du gagnant, je crois de Blue Streak aussi va être prêt. Mais oui, il peut être dans les placés. Dans la deuxième course, Plain of Wisdom, une bonne ligne, un bon jockey, il peut le faire cette fois. Oui, Plain of Wisdom, il a gardé sa forme. 13,65 mètres, c'est bien. Une bonne couloir. Si on peut pas dans la course, il viendra. Oui, il a une bonne chance. Dans la troisième course, Aware, qui devra se monter son septième couloir, mais qui descend de catégorie, peut-être ce sera la meilleure chance de l'écurie. Définitivement, je crois que oui. La dernière fois, il était très malchanceux avec Cavallino qui n'allait pas de l'avant. Donc, il s'est retrouvé trop loin de l'entrée. Mais même ça, il est venu très, très fort sur l'entrée pour finir de longueur. Entrée maintenant qui court dans les 51, on est dans les 41. Je pense que le 61,5 ne posera aucun problème parce que ses adversaires aussi ont 61,5. Corundu, c'est un cheval très honnête. 1500 mètres, c'est idéal pour lui de débuter. Je lui accorde comme la meilleure chance de l'écurie. Dans l'épreuve principale, vous présentez Mountain Master, sur lequel le jockey avait chuté en pleine ligne droite lors de sa première sortie. Comment se porte le coursier en ce moment? Le cheval est très très bien, il a gardé sa condition. Très malchanceux dans la Duchesse. Je pense si. Il avait fini sa course, peut-être il aurait dû être dans le podium. Mais bon, il faut le revoir, peut-être cette fois-ci. Je crois qu'il court contre la distance. 1400 mètres, peut-être un peu cher pour la deuxième sortie. Mais bon, il faut être réaliste, c'est un champ assez ouvert, il y a quelques bons chevaux dedans. Le nouveau de Gadjedas, Malik El Moulouk, a un très bon cheval. Rapatak avait fait une très bonne course, il porte des œillères cette fois-ci. Pas un vrai front-runner dedans. Je sais pas si Thierry Jessam, il y a des fois, il a raté le départ, mais on essaiera. Et finalement, la dernière course, vous présentez Smitten, un coursier qui a rejoint votre écurie durant l'intersaison. Smitten, il est très bien dans sa peau, il a bien travaillé. Tous ses galops étaient, il a montré un joli travail. Mais bon, il faut. Je crois qu'Ape Horn, c'est un cheval qui est très très costaud pour cette classe. Il reste le cheval à battre. 13,65, je crois que c'est idéal pour Cape Horn. Mais bon, on essaiera, si on est placé, on est très content. Sinon, la meilleure chance de l'écurie? Je pense que oui.
Et s'il y a un coursier qu'il faudra surveiller durant la saison 2017 chez l'écurie Narang, ce serait Peut-être Roman Sylvanus, allons voir, c'est un cheval que j'estime beaucoup. Au moins qu'il a montré quelque chose cette fois-ci, donc durant c'est sa deuxième saison à Maurice. J'espère que c'est un cheval qui va nous faire avoir quelques victoires. Chirish Narang a donc qui affiche une belle régularité depuis le début de la saison avec un jockey donc qui peut faire bien, Robert Cathy, et d'autant plus Kilijano qui aware a donc pouli un de son best chance of the day. Aware, Thierry, tout à l'heure nous vient l'oli. Tout à fait, donc me pensez qu'il n'a parfaitement raison. Voilà, tout à l'heure nous pouvons avoir l'occasion cause de Aware, Thierry, sinon nous passe à l'épreuve d'ouverture de Dr. Jocelyn Mergarcob, Draper's Mile, rating 0,20, 1500 mètres. Comme toujours, donc, nous livrer un lot à plus ou moins moyen, avec Chop Trap, deuxième sortie cette saison, Fear Cat, également deuxième sortie, première sortie pour Mighty Lion, tout comme pour Battle Ready, deuxième course en vue pour Albert's Day, Social Network débute la saison 2017, The Blue Streak est déjà là, devancé par Cape Horn la dernière fois, tout comme Batan, la doublure de l'écurie Gadjadar. Oui, c'est une course très très moyen, mais un cheval qui certainement qui s'y est plus de celui-là, c'est Chap Trap de l'écurie Gadjadar. C'est un coursier qui vient avec une solide réputation sud-africaine, même s'il n'est pas encore gagné en Afrique du Sud, mais il fait une très très bonne course. D'ailleurs, dès sa première sortie l'année dernière, il a été beaucoup chuchoté. Il était directement dans la journée internationale. Là, nous pouvons être sur les courses lors de sa première sortie, quand il termine 6e derrière Ride to Tango. Il est avec la toque rouge au milieu de peloton, en 3e épaisseur. Oui, sur tout le parcours, là où 600 mètres, il est toujours dans la même position. 3e épaisseur. 3e épaisseur. Golden Ball et Lividus devant. Oui. Chap Trap. Lui également, lui amorce l'attaque à l'extérieur de Golden Ball ici. Donc, il retrouve lui vraiment pris en 3e épaisseur sur tout le parcours. En ligne droite, là, nous prenons l'impression qu'il est pour besoin complètement baisse-pied. Il est pour besoin terminer la traîne, puis morse-morser. Mais vous trouvez qu'au final, accompagné par son jockey, ben, il termine juste dans la foulée de Lividus, qui était 5e de la course. Donc, oui, il n'a pas terminé right voilà, très loin au final dans sa course-là. Ride to Tango qui gagne les courses à pas environ une longueur. Donc, au final, Chap Trap n'est pas loin finalement dans sa course-là. Surtout, eu égard, ce parcours très très compliqué. Effectivement, 3e épaisseur sur tout le parcours. Là, il va descendre de catégorie 0,20. Donc, un champ vraiment très très moyen. Une deuxième ligne qui sera certainement à son avantage. Ça va permettre qu'il positionne beaucoup plus bien. Thierry. Effectivement, et en plus, c'est voilà très bien en ce moment. Vous pensez qu'il est bien parti pour ouvrir son compteur ici au champ de basse. Et derrière Chap Trap, dans le reste du champ, on voit Albert's Day. Bon second derrière Cape Horn, l'intouchable Cape Horn ce jour-là. Oui, comme Chris Narang, Fek Dianou, soutient Chap Trap dans les courses là viennent bien ouvertes. Ouvert. Donc, effectivement, les courses-là, vraiment très ouvertes avec les autres 7 partants de l'épreuve. Albert's Day, certainement, et Namanatu pour faire valoir dans les courses-là. 1500 mètres, un parcours qui est affectionné. Là, nous avons ce travail en compagnie de Corker Stalker. Il y a l'intérieur de Corker Stalker. Il y a un très bien travail parce que Corker Stalker, c'est un très bon track worker. Là, il peut gagner l'opportunité, même domine Corker Stalker en montée. C'est valable de maintenir sa bonne forme. Et c'est le même Vijayanand Manu qui peut monter, un jockey qui connaît très bien. 6e ligne, pas nécessairement un gros désavantage, puisqu'il s'est un coursier qui compte en stride et tend librement. Donc, Albert's Day, oui, pour les places. Oui, pour les places, ça peut être derrière Chap Trap et un troisième larron. On pense peut-être à Fear Cat, qui d'habitude galope en 0,25, donc l'alliance 0,20. Oui, Fear Cat qui est capable de bien faire dans sa course-là. C'est un coursier qui paraît. Qui affiche une bonne condition. D'ailleurs, à l'entraînement, il fait très bien travail. Là, nous trouvons à l'intérieur, là, l'Ossa Galula. Il y a l'intérieur de Guilty As Charged, c'est un galop de mardi matin. Vous trouvez comment il est très très facile à l'intérieur de Guilty As Charged. Oui. Il n'est pas étonnant pour qu'il Fiat 4 monte sur le podium dans sa course-là.
Il y a une autre course également qui nous faisait faire attention, c'est The Blue Streak. Une course, il y a un petit gabarit, mais vous pensez que c'est une course qui prend le temps dans les courses pour les caves, recule premièrement au peloton et pour venir au finish. Et puis exprime lui-même. Et vous pensez qu'il pourrait entendre très bien avec Robert Cathy. Alors, donc, nous voyons toute sa phrase là, Thierry, donc ça va nous courser à être capable du meilleur comme du pire. Effectivement. Sur le jour de course. Nous passons à la course numéro 2, The Rotary Polio Eradication Program Cup, à 1365 mètres, benchmark 36 avec Lord Al, Plain of Wisdom, Dark Liability, Harry's Silver, Harry Hope It Happens, It's My Party, et Chris Crossman, un sprint intéressant, ouvert de surcroît, avec pas mal de prétendants. Oui, effectivement, la ligne joue en faveur de Chris Crossman dans sa course-là. Ligne bien termine sa campagne 2016 avec deux victoires consécutives. Il y en a la première ligne, il y en a beaucoup, beaucoup de travail dans les jambes. Malheureusement, mardi matin, vous n'êtes pas trop content sur Galop. Là, on nous trouve le travail justement de mardi matin. Il y a l'extérieur, sollicité quelque peu par James Winks, à l'extérieur de Triad of Fortune. Oui. Et Triad of Fortune, lui, il n'est pas un bon track walker, contre, lui. Mais Chris Crossman. Un champion, champion du matin. Voilà. A dû s'employer pour se maintenir à la hauteur de Triad of Fortune. Mais comme Chris Crossman a beaucoup, beaucoup de travail dans les jambes, en début d'année, il travaille beaucoup avec Julie Dore. Tout le temps, c'est sa duo-là qui travaille à l'entraînement. Et quand on guette ce que Julie Dore fait il y a 2 semaines de cela, ben, il n'est pas prêté, non, Chris nous Crossman. Nous devons attendre à ce qu'il y débute bien, Chris Crossman, de surcroît l'Ingain et le couloir. Numéro 1, When a Plane of Wisdom, deuxième sortie 2017, cinquième set d'ailleurs, Triad of Fortune la dernière fois. Je suis à 1365 mètres, il persiste sur le même pas. Vous pensez que cette fois, il peut beaucoup mieux faire avec un jockey comme un Robert Carty. Au fait, le souci avec Plain of Wisdom, c'est qu'il y retrouve trop loin de la tête de la course et quand il termine trop tard. Et la dernière fois, bien sûr, sans blesser personne, moi, tu peux dire que c'est Ram Gopal, il peine à sa poigne pour monter dans la ligne droite là. Oui. C'est un bon apprenti qui est capable Mondman Seval Deva au suivre près, exact. Mais pour venir au finish, il peine à sa drive comme Robert Carty est capable de venir là. Là, nous avons ce travail ici, Plain of Wisdom. Il y a l'extérieur de The Blue Streak, il est très très facile, vous trouvez, à l'extérieur de The Blue Streak, qui malheureusement, The Blue Streak, c'est pas vraiment le. La grande référence. Voilà. Oui. Mais au niveau de la condition, Plain of Wisdom est très bien. Vous pensez qu'il a avec Robert Carty, avec un train assez soutenu, qui me pensait pour une annonce à l'écoute là, Plain of Wisdom est certainement un bon candidat pour la un victoire. Beau, un beau bien suivi. Et également ce départ, mais si Bowers est resté fermé la semaine dernière, eh bien pourquoi pas Plain of Wisdom. Et là, il y a un autre engagement qui nous vient prendre au sérieux, celui de It's My Party. Oui, pour moi, It's My Party, une très très bonne chance dans cette épreuve, malgré la sixième ligne. Tout peut dépendre un petit peu le départ de l'épreuve, mais It's My Party, il a démontré qu'il n'est pas nécessairement un cheval qui bisait galpe devant, il bisait galpe au bord. Là, nous pouvons être sur les courses, c'était lors de la première journée. Oui. Il est sur les bords ici, Triad of Fortune va le oui, déborder. Rouge. Voilà. Oui. Son jockey, Emamdi, doit le reprendre. Là, il a dû faire pratiquement l'extérieur aux abords des 1000 mètres. Et là, il est à l'extérieur sur pratiquement 1000 mètres de course. Oui. Il est le premier à se mettre en évidence. Vous trouvez que Triad of Fortune va accrocher sérieusement en ligne droite. Il n'est pas démérité du tout. Il fait une belle réplique à Triad of Fortune jusqu'à la mi-ligne droite avant qu'il y ait. Il paye un petit peu sa manne d'effort qu'il a fait en début de course. Effectivement. Mais vous trouvez que le troisième de la course. C'est Melson. Oui. Melson qui gagnait la semaine dernière. La semaine dernière. Donc, je pensais que sa première run line fait beaucoup de bien. Et là, la semaine dernière, pour sa première sortie, il se prend quelques kilos superflus sur la balance. Je pensais que si il perdait ce kilo là, il prend à considérer sérieusement. Il y a un gros candidat là vraiment pour la victoire. Justement. Thierry Course numéro 3 de Rotary International District 92-20. COP 1500 mètres, benchmark 41, nous retrouvons avec 7 partants. Voilà, notamment le fameux Aware, qui est Shirish Narang qui citait dans son entretien. En début d'émission, Aware a donc JJ's Wild, No Resistance, qui vient pour la deuxième fois cette saison, tout comme Rebel's Game,
Kurundu, grand début 2017 pour Kurundu, Aficionado et Rock Hard qui ont bien bénéficié, nous penser, de sa première course sur 1400 mètres derrière le vainqueur Jigri Pokri. Oui, c'est une course assez ouverte sur papier, mais nous tu fais cause à voir justement. Ça c'est valable là, vous connaissez, la dernière fois, vraiment très malchanceux. Il peut suivre un fading horse qui était Cavallino. Et lorsque le sprint est lancé, André avait déjà fait le plus difficile. Il creuse l'écart à l'avant. Mais entre-temps, Aware, il est bien accéléré en ligne droite. Ce qui fait moi penser que même si il retrouve lui en arrière-garde dans sa course-là et qu'il ben, se va le devant pour accélérer, lui aussi également, il est capable de bien terminer. Là, nous voyons ce travail. Il y a l'intérieur ici de Mountain Master. Il est très très bien travaillé. Il commence à se occuper pleinement, retenir lui à l'extérieur de Mountain, à l'intérieur, de Mountain Master. Oui. Et le jockey pratiquement sur les freins, nous qu'à dire, pas capable même retenir ces vals-là, tellement ces vals-là dans une très très belle forme. Vous pensez, là, il peut descendre de catégorie. Même s'il amène 61,5 kg, vous pensez, il est le cheval à battre de l'épreuve. Et beaucoup dit un os dur ici nommé Kurundu. Oui, Kurundu, certainement, un coursier qui nous vous a respecté, très régulier, 8 sorties, 3 victoires, 5 placés, jamais surclassé dans les épreuves. Lui, il devra certainement se retrouver en bonne position et essayer de démarrer peut-être avant Aware dans cette épreuve. En tout cas, au niveau du travail, il est très bien. Là, il effectue un galop très plaisant à l'intérieur de Kremlin Captain, qui est un redoutable trackwalker. Mais Kurundu ne se laisse pas faire. Il a très très bien travaillé sur la selle de Bagirati là. Oui, bien accroché. Il est bien accroché avec le champion de l'écurie Gajada, Kremlin Captain. Effectivement. Et Kurundu, donc, capable de débuter très bien sa campagne en 2017. Et ce Rebels Game, étonnant course d'ailleurs entrée. Oui, Rebels Game qui tient une course vraiment très difficile. Là, il peut certainement profiter de sa première ligne. C'est là, resplendissant de santé. Là, nous avons sur les courses références justement, quand il est sorti du 7e couloir. Rai pas bousculé, mais quand il trouvait qu'il peut être condamné en épaisseur, il décide de faire des efforts pour essayer de placer lui. Malheureusement, Moonlight Runner sort il un petit peu dans sa course là, Cavallino sur les bords. Là, il retrouve lui toujours en troisième épaisseur. L'IP travel bien. Et en pleine descente, toujours en troisième épaisseur. Avec Rai portant la toque jaune, casaque bleu et toile. Il essaye de rentrer devant Apple Pie dans sa course là. Mais à l'entrée du virage, il peut peut-être demander l'effort à son coursier. Il n'est pas démérité. Il peut bien. Face à l'accélération, entrer, mais Aware complètement à l'extérieur, pardon. Et Rebels Game vient shipper la troisième place à New Dreams. Vous pensez qu'il lance les courses là, ce qui est une course de référence, certainement. C'est Valen gagnant en condition, la première ligne aidant. Il sera certainement un très bon candidat pour la victoire. Sauf qu'il va être un peu perturbé par No Resistance. Oui, No Resistance qui pourrait éventuellement le taquiner dans la course à l'avant. Mais vous pensez que Rebels Game capable profite de son premier couloir. Nous vous venons le choix à la fin de l'émission en Tough Time, Thierry. Sinon, nous dirigeons vers la course numéro 4 de Guy Desmarais Cup sur 1500 mètres, benchmark 51, avec 10 partants, dont entrée Kemal Kavour, The Big Easy, invaincu en 2 sorties au Champ de Mars, The Big Easy, Red Rain, Down Under, Bonovox, Firi Equatil est le vainqueur de la dernière fois, surprenant, Seven Fountains, PNF et Castle. Entrée, vainqueur facile sur 1400 mètres, 100 mètres additionnels, encore mieux pour lui. Définitivement, entrée va beaucoup aimer les 100 mètres additionnels, surtout du Pena Falls Race à 4,50 m. C'est voilà, il maintient une très belle condition physique. L'initial à deuxième ligne, la Nougette ce travail de mardi matin. En solitaire, trouvez qu'il est très appliqué au travail. Suzuki pas de bousculé, vu qu'il s'est là déjà dans une belle forme. Il y en a des dizaines les courses dans l'ensemble. Donc, entrée fait figure d'épouvantail dans cette épreuve. Oui, solide à tout pour entrer. Et durant l'intersaison, Thierry, ben regarde s'il braquait sur un coursier qui s'est venu avec une très bonne réputation, une bonne carte, avec notamment 2 victoires, 4 placés en 9 sorties, jeune coursier de 4 ans. Qui peut-être pour bénéficier beaucoup de son castration, Kemal Kavour.
effectivement castré durant l'intersaison. Kemal Kavo, Mokadio, qui a bien progressé durant l'intersaison. Effectivement, Galo vraiment époustouflant à l'entraînement. Il est dans une belle forme. Il est capable encore d'améliorer sa condition physique. Il n'est pas au summum de sa condition. Mais dans la forme qu'il affiche en ce moment, il n'y a pas de doute, il sera à l'arrivée de cette épreuve. Là, nous avons Galo à l'intérieur ici. À l'intérieur de bouclette top, pardon. Il est très facile, Enceval, vraiment très allant. C'est un bon front-runner aussi, il l'a montré dans son carrière. C'est un strong front-runner. Peut-être 1400 mètres courtes pour ses aptitudes, mais pour un retour à la compétition, je pense qu'il est capable de bien faire, même sur 1500 mètres. Pardon. Pas mauvais du tout pour la suite de la saison. Et avant qu'il nous passe un petit coursier qui nous tape dans l'œil également pour sa rentrée 2017, PNF, sur 1365 mètres. Le premier débattu, Mouta a dit tiens, touchable ce jour-là. Et là, sur 1500 mètres, il est encore plus à l'aise. Certainement, la dernière fois, derrière Mouta a dit, c'est vrai que Mouta a dit était pratiquement intouchable. C'était sur un sprint, 1365 mètres. Là, nous pouvons être sur les courses références. PNF qui sortit comme à son habitude, oui. Un petit peu slow. Devant, Moutadi va creuser l'écart à l'avant quand King Snide va se mettre à sa hauteur. Et Pienif, il accumule pas mal de retard. Là, Moutadi avait déjà réduit la course à un sprint. Pienif pourrait trouver derrière un Fading Horse qui est Lucky Valentine. Il pourrait trouver également derrière King Snide qui n'avançait pas. Devant, Moutadi avait déjà fait le trou. Mais Pienif est le seul dans cette épreuve à refaire beaucoup, beaucoup de terrain. Sur Moutadi en fin de parcours. Au final, vous trouvez que Pienif termine à seulement 2,70 longueurs de Moutadi. Si la course a été réduite à un sprint comme ça, c'est sûr que jamais il n'aurait pu battre Moutadi ce jour-là. Là, par contre. Mais les circonstances capables différentes cette fois-ci. Vous pensez que les circonstances vont être beaucoup plus différentes cette fois, vu que entrée. Il sera certainement proche du pas. Peut-être que c'est Kemal Kavo qui peut défendre dans sa course là. Et si André et Pienif démarrent au même moment à 300 mètres de l'arrivée, ça capable en faveur de Pienif. Parce que Pienif a une meilleure accélération, vous pensez. Il va faire valoir, ce finish. Et avant qu'il nous passe cinquième course, Thierry, tu as bon peut-être, Banna demande-nous. Qui position The Big Easy, un vaincu en deux sorties, impressionnant déjà la saison dernière. Comment il peut entamer sa course de rentrée après ce bon pépin de santé? Écoutez, je pense qu'il est complètement remis de ses ennuis de santé. Mais c'est moi, Senseval, psychologiquement, pour Seval-là, ça capable, il fait un déclic dans la tête de Seval-là. Et pour le moment, nous pas capable de prononcer nous le comment les comporter en course, mais à l'entraînement en tout cas, Seval-là paraît une bien refaire. Oui, il peut bien faire dans cette course, mais il y en a les qualités nécessaires donc pour être capable de tenir tête au meilleur ici. Effectivement, mais moi, je préfère afficher la prudence. Par contre, il y a un autre coursier qui d'après moi pour bien faire. Il est très régulier l'année dernière en 5 sorties, 4 placés, c'est Down Under. Je pense qu'il est capable de bien faire dans sa course là. C'est N. Poundman Seval qui est capable de remporter sa course. Un outsider qui vous a retenu à une différente combinaison qu'on a habitué d'y aller. Alors, dans Rotary Club of Eben Cup 1000 mètres, c'est la course numéro 5. Sur le kilomètre, nous retrouve le vrai spécialiste Answering Genesis. Attention donc à Silver Snuffles qui est le numéro 1. Bonne course dans la Duchesse, bon début au Champ de Mars. Cavallino, donc nous faisons revoir Cavallino par rapport à ce dernier course décevante. Fort Ozark, Kalinago, Maestro Salute, Victory Team, la nouvelle unité d'Amar Siouliel. Une victoire en 6 courses disputées en Afrique du Sud, en Grand B de 3 ans. D'ailleurs, il gagne sur 1000 mètres, c'est un sprint type, c'est un autre spécialiste annoncé du kilomètre. Et puis, bien sûr, Answering Genesis, l'invincible Answering Genesis en 4 sorties. Tiens. Effectivement, Answering Genesis fait peur dans cette épreuve, 4 sorties, 4 victoires. C'est vrai maintenant qu'il est... Le numéro 2 déjà dans les stalls. Oui, c'est vrai qu'il peut monter de catégorie, mais il y a un petit poids, il y a la ligne en sa faveur. Donc, des atouts indéniables sur le kilomètre. Il y a une pure sprinter, il y a une belle vélocité initiale. Là, nous sommes sur les courses de référence. C'était lors de la première journée. Les
Il est sorti du sixième couloir, mais il montrait vraiment beaucoup de vélocité. Et après pratiquement 150 mètres, voire 200 mètres de course, il retrouve lui devant dans sa course là. Manti Labi et Vance Dream étaient en deuxième, troisième position. Vous trouvez qu'il est retenu quelque peu par Jeanne Bordetier. C'est voilà vraiment très, très allant. C'était sa première course. C'est voilà, c'est un petit peu gras, sa zone là. Et vous pensez qu'il bénéficiait encore plus de, sa, oui. de cette première course. Il est parti vraiment au summum de sa condition. Mais là, Mokadio, qui a pratiquement 95% là, Jug, c'est voilà dans une très, très belle condition physique. Malgré qu'il en ligne droite, ben les autres pour refaire du terrain, surtout Vance Dream et Black Tractor, ont démontré de la qualité pour résister au retour des finisseurs. Answering Genesis a donc beaucoup d'atouts dans sa course sur 1000 mètres là, mais attention à l'autre véloce de la course, Silver Snuffles. Silver Snuffles, qui est un coursier très véloce, peut-être que sur le kilomètre, il n'est pas aussi capable véloce que Answering Genesis, mais il est capable de suivre dans le sillage de Answering Genesis et accélérer en ligne droite. En tout cas, et sur papier, il est mieux loti, nous qu'à dire, que Answering Genesis, parce qu'il est en meilleur compagnie en Afrique du Sud. Là, nous avons Sogalo de mardi matin en compagnie de Apple Pie qui est sollicité à son extérieur. Vous trouvez qu'il est vraiment très facile. Lui également a amélioré sa condition physique. Il est très bien en ce moment. S'il n'est pas souffert du second run of the run, c'est l'interrogation autour syndrome. De Silver Snuffles. Alors, il est capable également faire très bien, améliorer sa prestation derrière Ready to Attack et pourquoi pas épingler ce premier succès au Champ de Mars à Silver Snuffles, monté cette fois-ci par Stephen Arnold. Voilà un beau duel à prévoir ici. Et un petit mot rapide sur Victory Team, l'autre sprinter annoncé de la course. Victory Team, c'est un cheval qui fait bien travail durant l'intersaison, même en presque début de saison de course. Il est même pressenti pour la Duchesse, mais son entourage, il ne décide pas qu'on ait tout le temps nécessaire. C'est un coursier vraiment très véloce. L'Osso Boyer Trial, il gagne ce Boyer Trial de bout en bout. Malheureusement, son huitième la ligne, pas plaidé dans sa faveur. Par contre, il y a des petits coursiers qui ne tapent dans l'œil à l'entraînement. Un de ses fautes aux d'ailleurs, il n'a pas de mal faire pour se premier les courses, avec les œillères pour la première fois. C'est un cheval qui, là, nous guette ce travail en compagnie de Cash Load. Il y a l'extérieur de Cash Load. Fortozar qui prend les devants la dernière fois et puis dans la ligne droite, il cédé face au retour de Garabi notamment. Touli pleinement retenu à l'extérieur, mais quand Suzuki de Niren, vous trouvez qu'il est vraiment très facile à l'extérieur du très véloce Cash Load qui est également un très bon track work. Donc Fortozar, s'il réussit sur mon 7e la ligne, il est un danger d'après moi dans sa course là. Et il y a également Maestro Salute qui nous pas qu'à ignorer dans sa course là. C'est un spécialiste du kilomètre. La dernière fois, il a été tenter sa chance sur 1500 mètres. Mais bon, si Alec Roussen fait beaucoup de bien, là sur 1000 mètres, il sera certainement beaucoup plus percutant. S'il a une coupe gauche à l'avant, il sera le premier à se manifester oui, au finish. Peut-être c'est lui qui est capable de rester dans les talons d'Answering Genesis et de Silver Snuffles. Effectivement. Sur une bonne partie du parcours. Effectivement, Jug, vous pensez que s'il a une coupe gauche à l'avant, il sera le premier à se manifester au finish. Comment nous dire dans le jargon, Thierry, très chouchouté à ses débuts, Cavallino, cette fois-ci délaissé par Arnold. Vous pensez qu'il pouvait faire beaucoup mieux cette fois. L'Ipépote, les Pacifieuses, un équipement avec lequel il beaucoup mieux travaille à l'entraînement. Sa condition s'est améliorée. Vous pensez que c'est un cheval qui peut bien faire. Peut-être une course à suivre pour l'avenir. Pour l'avenir. Et nous, nous passons à la course numéro 7 de Rotary International Serving Humanity Cup sur le Draper's Mile, autrement dit 1500 mètres. Benchmark 31 ici avec 8 engagés. After Midnight, Bezamod, la nouvelle unité de l'écurie Rameshwar Gajadhar. Une victoire sur 1600 mètres en 9 courses disputées donc en Afrique du Sud. On grabé de 4 ans pour 3 placés. D'ailleurs, Alingang and Course, donc très remarqué. Lors de sa dernière sortie sud-africaine en prenant les devants notamment. Seven League Boots régulier en fin de saison chez Patrick Mervin, Captain's Orders, Mount Fuji, favori battu par Jigri Pokri pour sa course de rentrée 2017, Ritmo Total, un gain de parcours des plus heureux, Mojoji, un coursier qui est capable de tenter crânement sa chance à l'avant,
et Political Power également, qui ne souffert de ce départ pour sa course de rentrée 2017, qui ne joue un peu contre lui en fin de parcours malgré une bonne fin de course. Nous démarrons avec cette nouvelle unité, Bezamod, Thierry. Oui, Bezamod, comme on fait dire, c'est une course très prometteur. 9 sorties, une victoire et 3 placés en Afrique du Sud. D'ailleurs, une gagne sur les dernières courses, signe qui peut montrer que c'est une improving horse. Ici à Maurice, il n'y a pas de mal faire du tout, notamment lors de ce Boyer Trial. Un Boyer Trial que, selon toi, se décide pour Mignali de hier, ça joue là. C'est la Kazakh jaune, trouvée avec les œillères. Il y a l'extérieur de Studio Lo. Et tiens également Logan qui l'a pépotlé à l'extérieur de Bezamod. Et Bezamod, qui gagne sa Boyer Trial là de bout en bout, il donne l'impression que c'est une course qui fait bien dans la course à l'avant ou proche du pas. Sa première ligne va être certainement un gros atout. C'est un gros gabarit, Bezamod. Donc, vous pensez que c'est une course qui a besoin de beaucoup de travail pour qu'il arrive à son pic. Là, condition wise, contre lui, contre lui. Il paraît bien, il paraît affûté à l'entraînement, mais au niveau de l'entraînement, c'est une course qui ne m'a vraiment trouve très très souvent. Peut-être qu'il y en a environ 7-8 galops dans la jambe, mais vu ce gabarit, moi, tu peux penser qu'il est capable d'avoir un peu plus galop dans la jambe pour qu'il arrive à son meilleur niveau. On peut prévoir donc une marge de progression additionnelle pour Bezamod. Bezamod a une grande marge de progression, mais il n'est pas prétendant de retrouver sur le podium. Oui, donc il est capable d'être accrédité dans le monde. D'ailleurs, là, nous avons ce galop de mardi matin à l'intérieur pardon, de After Midnight. Les papiers portent les œillères, l'Osaga Lula, et vous trouvez, il domine After Midnight, qui lit un coursier qui a beaucoup, beaucoup de travail dans les jambes. Par contre, moi, je suis bien content After Midnight dans sa course-là. Justement, quand vous avez le rating, hein, After Midnight, il a le top weight de la course avec Bezamod et Seven League Boots. Et After Midnight, c'est un coursier qui montrait le bout du nez en fin de saison 2016, monté par Bundu sur 1500 mètres. Il termine second à une longueur de Chris Crossman, qui d'ailleurs nous accorde lui un bon crédit tout à l'heure dans l'émission. Et puis, ce After Midnight, donc capable, malgré un couloir numéro 8, qu'on est capable de retrouver un petit peu wide au début. Effectivement. Pourquoi pas? Oui, effectivement, Jug, on a parfaitement raison. Chris Crossman, parfaitement raison qui vous fait référence à Chris Crossman. Chris Crossman qui est un favori dans la deuxième course, benchmark 36, la scène benchmark 31. Lipia Fontaine le nettement à sa portée. La 8e ligne pour certainement son plus gros désavantage, mais comme l'a démontré qu'il est de sa deuxième place derrière Chris Crossman, qu'il est capable même d'évoluer en one-off ou même en arrière-guard. Vous pensez qu'After Midnight, avec tout le travail qu'il a dans les jambes, vous pensez qu'il y a un bon candidat là pour la victoire? À surveiller le prix After Midnight et ce favori battu qui m'a dit tout à l'heure, Thierry, Mount Fuji. Oui, Mount Fuji, certainement, régnait une meilleure chance dans sa course-là, battu par un excellent Jiri Pokri, qui, une semaine plus tard, avait regagné. Confirmé. Donc, Mount Fuji, certainement, gros candidat pour la victoire. Là, il part de la première ligne lors de sa course de référence. À l'extérieur, Jiri Pokri allait prendre les devants. Il vous laisse rythme total, place devant lui, Mount Fuji. Voilà. Oui, voilà, rythme total, Kazakh blanche, donc réverte. Il retrouve lui derrière rythme total. Et ici, quand le sprint va être lancé, Jiri Pokri va prendre ses distances. Mount Fuji, lui, va se retrouver derrière Ban Seval qui n'est pas pé nécessairement bien avancé. Là, vous trouvez lui sur le mot. L'issue le mot, il y avait Brave Leader à son extérieur. Là, Jiri Pokri avait déjà 3-4 longueurs d'avance sur lui. Une marge de manœuvre appréciable pour Jiri Pokri, là, mais il mettait en évidence. Effectivement, il est pour bien accélérer. Regardez le. Tout le terrain qu'il refait. Et au final, les gars battent par une demi-longueur seulement face à un excellent Jiri Pokri. Oui, malgré l'encombre de part et d'autre. Et là, vous pensez que Mount Fuji, certainement, il a les premières chances dans sa course. Seven League Boots. Un coursier qui montrait le bout du nez en fin d'année dernière. Il est très, très bien au niveau de la condition. Sa deuxième ligne plaît dans sa faveur. Là, nous guettons ce travail en compagnie de Mighty Lion. Il est vraiment très, très bien, Seven League Boots.
Vous pensez qu'il lit également? Et d'autant plus qu'il a un bon pas initial. Hein. Souvent, il démarre très bien, il est capable de suivre l'éventuel meneur, ou il est capable même de prendre les devants. Il y a un bon couloir. Effectivement, s'il est montré les plus rapides qui baisent en mode, vous pensez que c'est lui qui va être devant. Et attention à lui, il est vraiment, vraiment dans une belle forme. Il pourrait éventuellement confirmer sa dernière victoire. Bien dit Thierry. Donc, l'épreuve de clôture à présent dans Owner's Cup, rating 0,25. Cape Horn de l'écurie Gajada, début victorieux au Champ de Mars. Nordic Ice qui passe à l'écurie Simon Jones. Red China, l'autre représentant de Simon Jones. Roy's Express de l'écurie Archan. Smitten de Shirish Narang. Golden Ball de l'écurie Alain Perro. Bon début derrière Right to Tango. Port Albert de l'écurie Raj Ramzin. Et puis le représentant de l'écurie Rameshwar Gajada, Ruby Roca, qui est toujours à l'état de promesse, Ruby Roca. Tout à l'heure, nous vînes avec lui, mais nous vînes tout à l'heure, nous cause dans la première épreuve, le cas de Chop Trap. Ça ramène moins un petit peu avec le cas de Cape Horn, qui, pour ses débuts, était un peu haute portée. Et là encore, penser qu'il est capable de démarquer lui de ses rivaux, Thierry. Écoutez, le champ est un peu plus relevé que la dernière fois, mais néanmoins, Cape Horn reste un bon candidat pour la victoire. Le parcours et plus en sa faveur maintenant. Un galop de course déjà dans les jambes. Voilà, là nous guette ce travail en compagnie justement de Chop Trap. Et vraiment, il me fait une belle impression à l'extérieur de Chop Trap. Très facile. Mais Chop Trap également qui peut démériter lors de sa travail là. Et le seul souci avec Cape Horn, c'est pour avoir gagné sur 1500 mètres pour coup pas nécessairement dans ses codes et retourner sur 1365 mètres après 3 semaines. C'est ça qui est un petit peu dérangement dans sa les courses là, d'autant plus qu'il a avec sa 6e année là, avec ben coursier qui pourrait être à son intérieur, pas évident pour trouver les bords sur un sprint comme ça. Et c'est la difficulté pour Cape Horn. C'est le hic concernant donc Cape Horn dans sa dernière course. Mais mon cas, qui au niveau de la condition et sur ce marge de progression, il n'y a pas de doute, il a progressé. Voilà, Cape Horn donc bien présenté pour ça, les courses là. Souvent, nous disons, ben, coursier qui change d'air, je te révénis, donc avec ma intention nouvelle, un peu transformée, ça pourrait être le cas de Nordic Ice. Oui, Nordic Ice, qui est un coursier qui nous rejoint le yard de Simon Jones, ligne la première ligne. C'est pas nécessairement un pur sprinter, mais vous trouvez qu'il, sur l'entourage, il décide pour Mignelli de hier pour la première fois. Vous pensez qu'il peut bien faire avec ça l'équipement-là. Là, nous avons ce travail de mardi matin, à l'intérieur de Bonnevox, et il peut vraiment très bien travailler à l'intérieur de Bonnevox. Il peut monter par Roland Boutaniv, Enzoke qui ne fait Beauvoise, triomphé la semaine dernière. Donc, Enzoke est plein de confiance, qui peut monter avec beaucoup de confiance. Avis aux superstitieux qui suivent un petit peu sa tendance-là, sa trend-là. Effectivement, et vous pensez qu'il nous recraise bien fait l'arrivée de l'épreuve. Un bon début donc attendu de la part de Nordic Ice sous les couleurs de Simon Jones. Mon cause, l'état de promesse sur Ruby Roca. Beaucoup sur l'entourage, il y a une long overdue win, mais toujours rien. Ruby Roca a mis ses deux courses en devancé nettement par Jigri Pokri, battu de peu par Stikra, et puis rapidement il rentre dans les rangs. Oui, Ruby Roca, c'est un petit cheval, donc qui pas trop beau ce qu'il lit, où vous allez s'y galoper. Après, quand il sort, il y a beaucoup de poids aussi, c'est pas vraiment à son avantage. Et ce moins là, 3 kilos qui va dans sa faveur. C'est ce moins 3 kilos là qui peut plaît dans sa faveur. Il pouvait n'avoir seulement 55 kilos. Là, vous trouvez ce travail mercredi matin en compagnie de Tournadomen. Tournadomen qui est un bon track worker et il est à l'extérieur de Tournadomen. Il vous prend la mesure de Tournadomen, le sagalo là. Un rythme lancé d'après moi pour en faveur de Ruby Roca. Sur les courses de référence, c'est sa défaite derrière Jigri Pokri quand il a battu 4 longueurs, certes, mais qu'il s'est retrouvé très très loin dans les courses. Il refait beaucoup beaucoup de terrain pour terminer à la deuxième place. Donc, s'il évoluait comme ça dans sa dernière course, s'il évoluait en retrait et il y a mort sur l'attaque à pratiquement 300 mètres de l'arrivée, vous pensez qu'il peut bien faire. D'autant plus que sa remise de 3 kilos là pour plaider en sa faveur cette fois.
En faveur de Robbie Rocca, attendons voir quand même Thierry. Et puis, il y a ce Golden Ball qui cause une grosse surprise pour sa course de rentrée, pour ses débuts au Champ de Mars. Et là, beaucoup de finir. Remarque Golden Ball confié à Cluster Ramsamy. Oui, un coursier très prometteur. D'ailleurs, Lynn Montrelli pour sa première sortie. Son entourage parti très satisfait avec la montre du jockey ce jour-là. Là, nous trouver les sorties à l'extérieur du 7e couloir. Pour place les en troisième épaisseur avec en troisième épaisseur, avec China et les villes. Les poussées, ils rôdent les bords, mais pas évident. Donc, Suzuki sollicite les quelque peu. En ligne droite, là, il prend la mesure de Lividus. Il fait figure de vainqueur en ligne droite, là. Malgré un parcours difficile en début de parcours, il montre les très combatif, très résistant. Très accrocheur. Effectivement. Et ce n'est que là qui... Right to Tango fait la différence. Effectivement, mais il conserve notamment ce deuxième place. Il domine Blue Jean, c'est un coursier qui a gagné lors de la journée internationale. Donc, il n'y a pas de doute, Golden Ball est un coursier très prometteur. S'il surmonte sa septième ligne, il sera... Vous attendez confirmation de sa part. Vous pensez qu'il est le cheval à battre de l'épreuve. De l'épreuve, Golden Ball. Alors Thierry, nous vous retrouvons, capable maintenant concentré, vous tranche dans le vif, point d'analyse maintenant. Et puis nous passe le relais à Kamlesh Rajkumar et à Ravi à Floréal qui vous donne nous toutes les dernières infos. Dans la première course, il faudra principalement suivre ce Chop Trap qui est un coursier qui s'améliore après chacune de ses séances d'entraînement et qui s'approche assez rapidement de son meilleur niveau. Il y a aussi Albert's Day qui ne s'est contenté que du maintenance work et dont la récupération s'est bien passée à Floréal. The Blue Streak a été soumis à un entraînement accéléré et l'a vraiment impressionné lors de son dernier tour de piste. Dans la deuxième course, Harry Hope It Happens s'est bien repris de sa première sortie et l'a été principalement maintenu sur sa fraîcheur physique. Plain or Wisdom a été l'auteur d'un très bon travail, principalement quand il a accéléré de façon très remarquable au Strong Canter sur la grande piste. Dark Liability a bénéficié d'une longue préparation et c'est un coursier qui s'est mieux acclimaté aux conditions locales. Dans la troisième course, Aware est celui qui nous a éblouis par son travail, un B qui a réalisé une excellente prestation lors d'un Nice Canter, démontrant sa très belle forme du moment. S'il y a un coursier qui a démontré des signes très positifs au niveau de sa progression, c'est bien ce Rock Hard qui affiche une condition nettement améliorée avec une course dans les jambes. Après un entraînement de base en janvier et février, Aficionado a vraiment faussé l'allure en mars, comme en atteste son travail au Nice Canter lors de son dernier tour. Dans la quatrième course, Entrée est actuellement à son meilleur niveau et on le voit dans une condition magnifique dans l'enceinte de l'écurie. Un des chevaux qui a été le plus impressionnant depuis mars reste sans conteste ce Down Under, qui a réalisé des canters époustouflants à plusieurs reprises. Kemal Cavour a été entraîné avec beaucoup de soin et ses progrès sont visibles par rapport à l'année dernière. Dans la cinquième course, c'est principalement ce Silver Sniffles qui a marqué les esprits, un alzan qui ne cesse de gagner en puissance et qui affiche une belle forme actuellement. Le nouveau Victory Team s'est vite acclimaté aux conditions locales et il a souvent travaillé au Nice Canter, donnant une indication qu'il est en constant progrès. Dans la sixième course, suivez ce Rap Attack qui a réalisé de gros progrès ces derniers temps, un B qui a été méthodiquement entraîné et qui a démontré un vrai potentiel lors de ses exercices.
Mountain Master, a été l'auteur d'un travail très intéressant sous la selle de Robert Carty. Ses puissantes foulées lors de son dernier tour ont été spectaculaires. King Snipe a gagné en condition avec une course dans les jambes et on l'a vu plus affûté, comme en atteste sa condition améliorée. Dans la septième course, Mount Fuji a profité pleinement du climat de Floréal pour porter à sa condition et est à son top niveau actuellement. Il faudra aussi retenir Captain Odeuse. Un des points positifs avec ce coursier, c'est qu'il joue beaucoup moins de la tête, comme en atteste son remarquable travail sur la grande piste. Seven League Boots compte beaucoup de travail dans les jambes et l'a régulièrement évolué sur trois tours, donnant entière satisfaction lors des sequenters. Dans la huitième course, Cape Horn ne s'est contenté que de récupérer à Floréal, mais il est dans une superbe forme, comme en témoigne sa robe luisante alors qu'il évoluait au Light Hunters. Golden Ball est encore mieux physiquement, et ce qui est encourageant, il a l'air d'avoir perdu quelques kilos superflus, ce qui est un point très positif. Le travail de Ruby Roker, basé sur trois tours, est un signe qui ne se trompe pas quant à la progression de ce B de l'écurie Rameshwar Gazedor. Merci donc à Kamlesh Ravi, l'équipe donc placée à Floréal, qui n'est Cléanouche à la journée de demain. Thierry, donc, en ce qui concerne la journée de demain, maintenant, les choix nous passent aux différentes sélections. À commencer par la première course de Dr. Jocelyn Mingor Cup. Alors, 1500 mètres à parcourir ici. Vous pensez que Chop Trap est mieux pour la victoire? Les limos mettent Albert's Day et The Blue Streak. Chop Trap, Albert's Day et The Blue Streak. Voilà pour la première course. Nous passons The Rotary Polio Eradication Program Cup, course numéro 2, 1365 mètres. Vous pensez de par le pas qu'il prenait dans les courses là, Plainer Wisdom devrait pouvoir ouvrir son compteur. 2017, Chris Crossman pour la deuxième place, It's My Party, troisième. Sélection donc pour la deuxième course. La troisième, dans Rotary International District 92-20 Cup, 1500 mètres. Aware pour la première place. Mais JJ Zwal pour la deuxième place, c'est une coursier qui galope quand même, coursier bien aguerri lors de la journée internationale. Et bien troisième, placé dans les stalls. Hein, troisième quand même derrière Superglue et Candy Rock. Vous pensez qu'il va bien faire. Et pour la troisième place, Rebels Game avec une première ligne. Quatrième course de Guy Desmarais Cup, 1500 mètres ici. Entrée fait peur, donc pour la première place, entrée. Mais je me méfie beaucoup de Pianif dans cette épreuve pour la troisième place Down Under. Entrée sur sa lancée dans Rotary Club of Eben Cup, 1000 mètres. Oui, beau duel attendu, Silver Snuffle, San Serene Genesis. Vous pensez s'il n'est pas souffert du second run of the rest syndrome, Silver Snuffles capable dominant Serene Genesis. Et pour la troisième place, vous place l'outsider Maestro Salut. La première probablement de Silver Snuffles. La course principale, la Rotary Foundation Centennial Cup, 1400 mètres, benchmark 56. Vraiment difficile à déchiffrer cette épreuve, uniquement me basant sur l'année dernière, sur les stalls, sur les couloirs. Je mets Top Jet à la première place, Rap Attack et Malak El Moulouk. Mais attention, Thierry Sdotchom ne part pas battu dans cette épreuve. Top Jet, le gris de l'écurie Mingor, enfin. Donc, on va bien suivre de près ce gris demain après-midi. The Rotary International Serving Humanity Cup, 1500 mètres, benchmark 31, c'est la 7e course ici. Oui, mais on pensait que Mount Fuji est également mieux pour la victoire. Daily, After Midnight et Seven League Boots. Mount Fuji pour le rachat de la course numéro 7. L'épreuve de clôture de Owners Cup sur 1365 mètres. Vous pensez que Golden Ball, capable de remporter ça les courses là, peut-être de peu devant Cape Horn et pour la troisième place, l'outsider No Look Eyes. Golden Ball, Cape Horn, une lutte, belle lutte à prévoir ici dans l'emballage final. Ça, c'est pour la numéro 8. Thierry, maintenant le bonus de Tough Time, le banker. Écoutez, Chop Trap, certainement le cheval le plus populaire dans la première course.
il devrait, d'après moi, pouvoir gagner demain. Chop Trap est l'outsider de la journée. Il y a Deceval qui m'a bien content. Pianif dans la quatrième course. Écoute, mon pensée, il a largement les moyens de dominer entrée. Et dans la course principale, Top Jet, mon pensée, capable ouvert ce compteur ici au champ de Mars. Voilà, peut-être ça, c'est un choix qui beaucoup pour retenir pour la journée de demain. Thierry, merci beaucoup. Merci donc, à vous, pour ce soir et ainsi qu'à vous tous, passionnés de Turf Time. Mesdames, Messieurs, nous vous retrouvons demain pour la quatrième journée en direct, en intégralité sur Sports 11. Bonne fin de soirée sur nos antennes. Merci, au revoir.